Nous sommes plus centralisés sur la réduction de l'extrême pauvreté ainsi que de la faim. Nous avons essayé un peu de trouver les causes, les facteurs de la pauvreté et puis quelques solutions à apporter parmi les différentes autres solutions. Ce que j'ai trouvé parmi tant d'autres, il y a l'ignorance, l'éducation, la maladie, ce sont des facteurs, et la malhonnêteté, ce sont des facteurs qui font que la pauvreté puisse perdurer dans nos communautés. Pour moi, les causes, c'est la guerre. Parce que s'il y a une guerre dans un pays, les gens ne peuvent pas travailler, ils perdent la mort et les manques de matériel. S'il n'y a pas de matériel, comment les gens vont travailler? Et l'insécurité. La corruption, la guerre et le manque de l'éducation. La plupart des États dépendent d'autres États, en attendant toujours de l'aide venant de l'extérieur. Au lieu de se donner au travail, ils ne font qu'attendre de l'aide venant de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle je parlais de la dépendance. The days of the weak are. 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 Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Il fallait d'abord commencer à trouver des solutions sur le plan local. C'est basé sur les réalités, nos réalités propres des Kinois. On peine ici, on souffre. Les enfants n'étudient pas bien, les soins médicaux, les transports. Nos premières préoccupations, le matin quand vous vous réveillez, qu'est-ce que les enfants vont manger ce matin? Comment envoyer les enfants à l'école? Ouais, des choses comme ça, ce sont des choses très primaires qu'il faut d'abord chercher à aider les gens ici. En plus des Kinois, des Congolais, après des Congolais, des Africains. Après des Africains, maintenant, nous sommes allés sur le plan mondial. Sur ce, j'aimerais parler plus des solutions. Je vois plus la technologie, en fait, l'exploitation agricole ainsi qu'industrielle. Il faut qu'il y ait des aides sociales, la collaboration entre ONG pour faciliter cette entraide. Il faut qu'il y ait la bonne gouvernance, parce que s'il n'y a pas la bonne gouvernance, il n'y a pas moyen de se développer. Demandez aussi aux États qui prêtent aux pauvres de prêter, mais de ne pas leur demander en retour de l'intérêt. Parce que leurs moyens, leur survie ne leur permettent pas de rembourser avec intérêt. Et à d'autres États qui gaspillent la nourriture, qui jettent la nourriture, je leur demanderai de ne pas jeter la nourriture et puis d'aider les autres qui sont dans le besoin et de manifester leur générosité. Les élèves ont réalisé l'œuvre qui est là devant vous. Nous avons un tableau peint et le tableau présente la situation des gens qui étaient dans l'Antiquité et après il y a eu l'évolution et on est arrivé au développement. Voilà le message qui est écrit dans notre tableau.
Je déclare ouvert la campagne de sensibilisation et de plaidoyer pour l'objectif quotidien, la lutte contre la pauvreté et la faim. Ce que je voulais dire pour les solutions, il faut d'abord qu'il y ait des bonnes gouvernances. Si on a la démocratie, on va se développer. Il faut qu'on puisse créer des conditions de travail décentes pour permettre aux pauvres aussi de sortir de la misère. J'appelle les autres jeunes de ne pas seulement se limiter au niveau de voir l'Afrique au niveau superficiel, en fait. Ils devraient aussi voir, en fait, intégrer la population, voir les réalités sur terrain, comment ça se passe, comment on vit. Parce qu'on peut bien parler de faire des projets et tout, mais tant que vous ne vivez pas nos réalités à nous, Africains, c'est là. Donc c'est comme si on s'aimait en vain, en fait. Le mobile majeur qui nous réunit ce soir est celui de motiver nos jeunes ambassadeurs à une excellente prestation au festival qui aura lieu en Belgique. Donc considérez-vous comme ambassadeurs de tout un continent.